Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Honda 125 Cityfly. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter cette petite Honda 125 Cityfly parce qu'un de mes abonnés a fait le déplacement jusqu'ici pour me la prêter. C'était super sympa de sa part. Donc, cette moto est un peu particulière pour moi parce qu'en fait, c'est là-dessus que j'ai appris à utiliser une moto. C'est ce qu'avait l'auto-école quand j'ai passé mon permis 125 quand j'avais 16 ans. Donc, cette 125, c'est un modèle de 98 et il faut savoir que cette moto était proposée au catalogue de Honda en France entre 98 et 2003. C'est un genre de petit scrambler 125 utilitaire. C'est motorisé par un monocylindre 4 temps à refroidissement par air, c'est-à-dire un moteur relativement simple, et elle ne brille pas par ses performances vu que le moteur développe à son maximum 11 chevaux, ce qui est vraiment faiblard. La moto elle-même n'est pas hyper légère, même pour une 125, elle fait un peu moins de 130 kg avec le plein. Mais vous allez voir que c'est vraiment une machine qui a été conçue pour la ville, d'où son nom Cityfly, c'est-à-dire mouche de ville. Elle est étroite, elle est maniable, les pneus sont super fins et ils ont des tailles un peu atypiques. C'est du 19 à l'avant, 17 à l'arrière. Ils sont très fins, ce qui la rend très agile, très maniable. Et le fait d'avoir du 19 à l'avant, bah, ça permet de monter un peu sur les trottoirs lorsque c'est nécessaire. Donc esthétiquement, hein, le gros point fort de cette machine, c'est son côté scrambler à cause de l'échappement sur le côté droit qui est chromé et absolument énorme. C'est vraiment le point esthétique de cette Cityfly. Le reste, c'est une moto relativement classique, un peu vintage à l'ancienne, même lorsqu'elle était en vente. Vous avez un gros phare rond, vous avez les clignotants chromés en plastique qui sont ronds également et assez imposants, comme ça l'aurait été sur une machine des années 70. Les deux rétros sont eux aussi ronds et tout à fait bien placés. Hein. Là, je vois très bien ce qui se passe derrière moi. Cette moto, au niveau du coloris, c'est la version noire et non pas une version grise comme on pourrait croire, parce qu'en fait, Honda vendait quasiment toutes les Cityfly dans des bicolores, c'est-à-dire le réservoir, comme sur celle-ci, ils étaient tout le temps gris foncé. Et lorsque vous choisissiez la couleur, c'était uniquement les plastiques, donc le garde-boue avant et les écopes du carénage à l'arrière, qui changeaient. Celle-ci, c'est la version noire. Elle était aussi proposée en verte et en rouge. Mais franchement, le rouge et le vert avec le reste gris, ça le fait pas du tout. C'est cette finition gris-noir qui est le plus sobre et le plus classe. Quand je m'arrête, j'ai les deux pieds complètement à plat alors que je ne mesure que 1m70. Donc c'est vraiment une moto qui est accessible même quand on est assez petit, alors que à l'époque elle était un peu décriée car plus haute qu'une CB125 classique. Lorsqu'on est à peu près à 50 km/h dans le trafic, le moteur et l'échappement ne font quasiment aucun bruit. Je dirais même que c'est surtout l'échappement qui fait aucun bruit, car les seuls bruits que j'entends, ce sont les bruits mécaniques qui viennent du moteur, mais c'est quasiment inaudible. J'entends beaucoup plus le vent que ces bruits mécaniques, et l'échappement, je l'entends pas du tout. Allez, j'accélère. Donc vous voyez, hein, le désavantage de ces petits moteurs 125 4 temps, c'est que peu importe à la vitesse auquel on veut rouler, lorsque vous voulez accélérer, il faut vraiment y aller à fond et attendre qu'il se passe quelque chose. La moto qu'on m'a prêtée aujourd'hui est strictement d'origine. Il n'y a absolument aucune modification qui lui aurait été apportée. On arrive sur un rond-point, on va ralentir un petit peu, donc le frein arrière est plutôt dosable, le frein avant, il ne faut pas hésiter à tirer dessus, il n'a pas l'air très très efficace, on va retester ça. Là vous voyez quand ça tourne, hein, la machine est vraiment hyper maniable, ça se penche tout seul.
Je m'arrête ici afin de pouvoir essayer de faire le 0 à 100. Je ne sais même pas si je vais réussir à atteindre le 100 km/h parce que la vitesse maximum théorique de cette moto, c'est justement à peu près 100 km/h. Et je me souviens très bien que lorsque je l'utilisais à l'auto-école, monter à 100 km/h, c'était vraiment pénible. Alors je ne sais pas s'il va y avoir assez de distance ou si je vais tout simplement réussir à monter à 100. On va voir ça tout de suite. J'éteins les feux, comme ça je suis sûr que toute la puissance sera bien pour le moteur. Je signale ce que je fais et on y va. Allez, à fond. Je me penche. Je vais pas réussir à monter à 100 et je dois ralentir. Je n'ai pas réussi à monter à 100 km/h. Alors je vais essayer de prendre plus de distance. Ça braque tout seul, c'est hallucinant. Regardez, j'arrive à faire le demi-tour sur à peine plus que la moitié de la largeur d'une route. Au niveau maniabilité, il n'y a rien à dire. On est reparti, ce coup-ci je vais utiliser toute la route jusque là-bas. On va essayer de monter à 100 km/h, mais c'est pas gagné. Allez, go! J'arrive pas à monter à 100! Bon, je m'arrête. Alors le frein avant est moyen quand même, parce qu'il faut vraiment tirer très fort dessus pour que la machine ralentisse. Le frein arrière fonctionne assez bien, il fait son office de ralentisseur et il est bien dosable, ce qui fait que quand on est dans des situations où on roule à faible vitesse, on peut même se servir uniquement du frein arrière pour stabiliser ou s'arrêter. Là vous voyez, j'utilise que le frein arrière et je m'arrête sans aucun problème. Dans ce rond-point, c'est super maniable, ça se penche à mort. C'est même peut-être trop vif. J'ai plus l'habitude de rouler avec une machine avec des pneus si fins que ça. Juste pour monter à 80, il faut que je passe toutes mes vitesses quasiment à fond. Moi, j'ai oublié de vous décrire un peu la position de conduite sur ce petit scrambler. Bon, la hauteur de selle est assez faible. Moi, j'arrive à mettre les deux pieds par terre. Je vous l'ai montré, c'est très bien. La selle est plutôt confortable, elle est un peu creusée pour le pilote mais quand même suffisamment large, on est bien en appui dessus et c'est pas gênant pour l'instant, je n'ai pas de point d'appui qui pourrait me faire mal aux fesses. Le guidon est parfaitement à la bonne taille, il n'y a absolument rien à dire, c'est pile à la largeur de mes épaules et la maniabilité est excellente. Les commodos sont extrêmement simples, on retrouve toutes les commandes de base à gauche sur l'éclairage, le klaxon, il n'y a pas d'appel de phare. Et sur la droite, c'est juste le coupe-circuit et le démarreur électrique. Il n'y a pas de kick sur cette 125. C'est un peu dommage, ça aurait renforcé son côté vintage. Mais avec l'échappement sur le côté, c'était peut-être pas facile à intégrer. De nouveau, vous voyez que dans les ronds-points, c'est vraiment du bonheur. Ça se penche tout seul, c'est ultra maniable. On a l'impression en fait d'être plus sur une grosse mobilette que sur une vraie moto en fait. Alors on va faire un petit test de souplesse. Donc vous voyez là je suis en 5e à 50 et c'est sûr que ça reprend pas super fort, ça reprend même presque pas, mais le moteur s'en accommode sans trop de problèmes. Même en ville on est tout le temps en train d'accélérer à fond en fait sur ce genre de 125. Si je compare avec alors elle a failli m'éclater. Enfin, plus de peur que de mal. Là, vous voyez, je suis en côte. Et je n'arrive pas à monter plus vite qu'à 50. Je redescends d'une vitesse. Ah là, ça reprend un petit peu, mais il faut vraiment cravacher le moteur. Il n'y a pas de contour. Je ne sais pas à combien je suis. On entend le moteur qui commence à gueuler un petit peu. Et je ne peux pas aller à plus de 65 en côte, là. Les performances moteurs sont vraiment limitées sur cette machine. Je m'en souviens déjà, lorsque je passais le permis avec ça, le moniteur était obligé de donner des consignes aux autres motos de m'attendre parce que même en allant à fond, j'arrivais pas forcément à suivre. Petit Dodan, on va tenter de le prendre à 40, voir comment les suspensions réagissent.
C'est assez mou, hein. On sent que ça balotte un peu. Ce coup-ci, je vais le prendre à 30, comme il est recommandé de le faire. Ouais, c'est pas forcément super agréable, hein. Les suspensions sont assez molles. C'est pas réglable du tout, hein. C'est assez bas de gamme, en fait, au niveau des suspensions. C'est une machine qui est plus faite pour la ville que pour prendre des grosses bosses, même si ça ressemble un peu à un scrambler. Je pense pas que ce soit vraiment conçu pour aller dans la forêt ou dans les chemins. J'accélère à fond. On fait gueuler un peu le moteur. L'échappement, je l'entends presque pas. C'est toujours le moteur que j'entends un peu. Et là, en descente, j'arrive à aller à 90. C'est tellement facile, ce genre de petite moto. Allez, un petit freinage. Qu'est-ce qu'il y a sur la route, là? Un sac de McDo. Franchement, les gens sont dégueulasses. Donc vous le voyez, même en descente, je galère pour atteindre les 100 km/h. Et j'accélère à fond. Donc on arrive, hein, à rouler à la même vitesse que le trafic et revenir aux limitations, je dirais, de façon assez classique si on se compare aux autres véhicules et globalement aux voitures. Mais comparé à n'importe quelle moto, bah ça reste assez lent, hein. Si je compare avec la MT125 que j'avais pu tester, celle-ci est clairement moins performante qu'une MT125. J'utilise pas mal le frein moteur parce que bah, le frein d'origine est quand même pas terrible. Vous voyez, en étant à fond tout le temps, j'arrive à aller un peu plus vite que les voitures, mais vraiment pas beaucoup, hein. On apprend en fait une nouvelle façon de conduire avec ça. Vu qu'il n'y a pas de puissance, on essaie de freiner le moins possible, de passer tous les enchaînements le plus vite possible sans ralentir. Et au final, c'est quand même assez fun. Allez, je dépasse. J'essaie de remonter à 80, putain, elle en chie. Ah, le freinage, franchement, là, je commence à rouler un petit peu fort. J'ai fait plusieurs freinages. J'ai l'impression que celui-ci est en train de perdre en efficacité. C'est pas du tout une machine pour faire le con, hein. Ah, j'aurais aimé ne pas perdre ma vitesse derrière ce poids lourd. Là, je vais galérer pour monter sur l'autoroute. Allez! ! 70! On va essayer de dépasser le poids lourd! Je me couche! 80! J'arrive pas à dépasser 85! Vous imaginez un peu passer le permis avec ça? Moi, on me demandait d'être sur l'autoroute pendant le permis. Là, je suis à 90. Ça arrête de monter. Je vais peut-être prendre un petit peu plus de vitesse. Je vais peut-être réussir à taper le 100 km/h. 100 km/h. De toute façon, si on voit que le compteur est gradué uniquement jusqu'à 120, c'est pas pour rien. C'est parce que la machine, elle a pas de patate. Donc là, on est un petit peu en descente, j'arrive presque à 110. Sur la fiche technique, elle est donnée pour une vitesse maximum de 115. Mais franchement, si vous arrivez déjà à maintenir un 100 km/h, c'est beau. Là, ça commence à redevenir un tout petit peu en montée. Et je repère énormément de vitesse. Je redescends à 95. Le fait qu'il n'y ait aucune protection au niveau du vent n'est pas forcément gênant de toute façon vu le peu de performance qu'a ce moteur. Ça me fait aussi beaucoup penser à,
aux sensations que j'avais sur l'autoroute lorsque je possédais une CBR 125, ça avait pas beaucoup plus de chevaux que cette petite City Fly. Allez, on met fin au calvaire, je sors. Donc oui, hein, bien sûr, il est autorisé de monter sur l'autoroute avec une 125. Hein, parce qu'il y en a qui m'ont fait plusieurs fois le reproche, mais qu'est-ce que tu fais sur l'autoroute avec une 125? Eh bien, c'est parfaitement toléré, c'est autorisé. Et je le rappelle, lorsque vous passez le permis pour une 125, eh bien, vous avez, s'il y a une autoroute près du centre d'examen, quasiment la certitude que vous passerez sur l'autoroute avec. Et c'était justement le problème lorsque moi j'ai passé le permis avec cette moto. Le passage sur l'autoroute, faut anticiper à mort parce que c'est vraiment chaud d'arriver à la même vitesse que les autres. C'est même impossible. Ce qu'il faut, c'est essayer de se mettre à la vitesse des poids lourds en fait. Au niveau accessoires et équipements, sinon cette machine c'est vraiment la base de la base. Il n'y a quasiment rien, il n'y a pas de feu de détresse. Vous n'avez même pas un témoin pour vous indiquer que vous arrivez sur la réserve ou quoi que ce soit. Vous avez juste un robinet qui vous permet de vous mettre en réserve. Les commandes, que ce soit le frein ou l'embrayage, ne sont pas réglables. Donc il n'y a vraiment que dalle. Vous avez un espèce de petit rangement en plastique qui est caché, qui contient quelques outils fournis directement avec la moto. Donc ça, c'est quelque chose qui se faisait pas mal à l'époque chez Honda. Et vous avez aussi à l'arrière un genre de support qui permet facilement d'installer un top case. C'est d'ailleurs ce que fait le propriétaire de cette machine quand il l'utilise personnellement. Aujourd'hui, moi, j'ai décidé de rouler sans le top case parce que forcément, ça ne me sert à rien. Et ça m'aurait fait perdre encore en performance à cause de la prise au vent. Le problème avec ce genre de petite 125 qui n'a pas vraiment de puissance, c'est que souvent, les automobilistes sont gentils et ils se décalent pour vous laisser passer, pensant que vous avez de la patate, mais vous en avez pas. Vous arrivez à peine à rouler à la même vitesse qu'eux. Donc les dépasser sur un axe comme ici, qui est limité à 90, c'est juste impensable. Bon, on va revenir en ville parce que les axes limités à 90 avec ce genre de machine, bah, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable. Donc vous l'aurez compris, au niveau des performances, cette City Fly, c'est zéro. C'est vraiment un utilitaire urbain. Ça a été conçu pour pouvoir se déplacer en ville ou d'une ville à l'autre. Mais vraiment, si vous devez faire de l'autoroute ou de vraiment beaucoup même de voies limitées à 90, c'est pas agréable avec cette City Fly. Là, vous voyez, la route est quand même pas mal défoncée. La machine s'en accommode plutôt bien, mais les secousses remontent pas mal dans la selle. Même si la selle est plutôt confortable, bah, les secousses, elles, sont bien présentes. Bon, pour conclure sur cette petite City Fly, je pense que c'est très clair. Il ne faut pas espérer utiliser cette machine en dehors de la ville et d'un usage urbain. Mais pour un usage urbain, bah, elle est pas mal. Elle est au niveau de la position parfaite. On voit très bien ce qui se passe. C'est maniable, c'est léger, ça consomme très peu. Là, c'est un réservoir de 12 litres et vous avez une consommation moyenne établie à 3 litres au 100. Donc franchement, c'est un peu un chameau quand vous l'utilisez normalement. Le propriétaire me disait qu'en roulant vraiment cool, on peut même tomber à 2,5 litres au 100. Donc c'est un utilitaire. Ça consomme rien, ça coûte pas grand chose d'occasion. Je sais que le propriétaire de celle-ci est en train d'essayer de la vendre. Et il essaie de la vendre à 900 euros. Ce qui est à peu près la moyenne, hein, environ 1000 euros. C'est classique pour ce genre de petite machine, en bon état bien sûr. Donc si vous avez des questions concernant cette Honda City Fly 125, n'hésitez pas, mettez-moi ça dans les commentaires. Si vous possédez ou si vous avez possédé cette machine, pareil, faites-nous part de vos impressions dans les commentaires. C'est toujours sympa de connaître l'avis des propriétaires. Je remercie encore l'abonné qui a fait le déplacement pour me prêter cette petite 125. C'était bien sympathique de retrouver la machine sur laquelle j'ai appris à conduire à l'auto-école.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, pensez à mettre un petit pouce vers le haut et à la partager sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau test. V à tous! Les tests sont toujours en collaboration avec mes abonnés, donc si vous voulez que la chaîne avance, pensez à me proposer vos véhicules, peu importe la cylindrée, la marque ou le modèle. Du moment que je ne l'ai pas déjà testé sur ma chaîne, eh bien, il faut que je le fasse. D'où le nom de mon site, ontestetout.com. Je suis en Normandie, dans la région de Rouen. Forcément, plus vous serez proche de chez moi, plus ce sera facile à organiser. Merci à vous et à bientôt.